Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, on reçoit une légende du Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Paoletta, et dans l'émission avec moi pour 30 minutes. Il nous donne un peu de son temps, on va profiter au maximum de tout ça et on dit un grand merci à la VCWC. Et c'est grâce à eux que cette vidéo est disponible et réalisable aujourd'hui, donc un grand merci. Et on enchaîne avec Pedro Miguel Paoletta, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Pedro, comment tu vas? Très bien, merci. Ici au Portugal, et ça se passe tout bien, je suis bien. Très bien, très bien. Écoutez, on va mentir à personne. Pedro a un calendrier, un agenda surbooké, nous a donné 30 minutes aujourd'hui, donc on va bénéficier de chacune des secondes que tu nous donnes aujourd'hui. Merci beaucoup. Pedro, j'ai la chance de te recevoir parce que le 1er septembre, grâce à la VCWC, tu vas vivre un match des légendes notamment. La VCWC, qu'est-ce que c'est? Plusieurs légendes de notre football vont se retrouver pour jouer un tournoi sur plusieurs jours. Les Nations Unies sont co-organisatrices de l'événement et le but de tout ça, c'est simple, c'est de créer un pont, un lien entre les anciens joueurs et leur nouvelle activité et le monde des entreprises qui sont parfois un peu trop éloignés alors que pas mal de belles choses pourraient naître de cette alliance-là. Et 5 forums vont être organisés autour desquels les joueurs et les entreprises pourront discuter. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a la paix, il y a le tourisme et il y a le business, voilà. Donc plein de belles choses, plein de beaux projets, plein de bonnes intentions. On espère que ça ira au bout et cet événement est fait pour le mettre en avant toutes ces bonnes ambitions. C'est parti, on continue donc. Alors il y a des grands noms, il y aura Ronaldinho, il y a Touré, Didier Okocha, bref, plein de grands noms. Qu'est-ce que ça te fait de rejouer avec ces gens-là? Est-ce que ça te fait un plaisir particulier ou pas? Bien sûr, c'est un plaisir énorme. C'est une nouvelle opportunité déjà d'être sur le terrain. De revoir certains joueurs qui ont joué avec moi, contre moi, au club, à la sélection. Et ça, c'est toujours un plaisir énorme. C'est une idée magnifique. Faire un mondial de club pour anciens joueurs, c'est magnifique, c'est une idée géniale. Il va être à peu près 150 anciens joueurs de joueurs internationaux, de joueurs qui ont gagné tout dans le football, et c'est une grande opportunité pour qu'on se trouve tous ensemble encore une fois. Hâte de voir ça. De toi à moi, dis-moi, est-ce que tu penses que tu as encore le niveau pour gagner cette compétition ou pas? Non, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, déjà, c'est participer. Je vais être dans le match de l'inauguration. Je ne peux pas rester jusqu'à la fin, mais je vais être le premier jour, je vais être là-bas. Et comme je disais avant, c'est une grosse opportunité de rencontrer de grands joueurs de football, de joueurs qui ont fait la différence pendant des années de football mondial. Et ça, c'est un plaisir. Je voulais féliciter cette organisation, ce pays pour cet événement que c'est magnifique. On a hâte de voir ça. On vous donnera plus d'informations, évidemment, tout au long de cette vidéo, mais avant ça, perdons pas de temps. J'ai plein de sujets à aborder avec toi, Pedro. Quand tu es à la Corogne, tu l'as dit, tu gagnes des trophées, tu es dans un club important en Espagne. Qu'est-ce qui fait que tu décides de quitter ce club pour aller à Bordeaux? J'avais envie d'avoir une autre expérience. J'avais 27 ans. Et sincèrement, le Bordeaux m'a contacté. Je me rappelle très bien, j'étais à la sélection. Et bon, j'ai pensé que c'est le moment de faire le changement. À La Corogne, je viens de gagner un titre, de gagner deux titres, de la Supercoupe et le championnat. Et j'avais envie de changer. Et bon, c'est vrai que les conditions de Bordeaux étaient très bonnes à l'époque pour moi. Tout ça a fait que j'ai pris cette décision. Je te ramène à ton adaptation éclair à Bordeaux, si tu le permets. On est en 2000. Tu commences ton premier match avec un triplé contre Nantes à la Beaujoire. Est-ce que tu te souviens pourquoi l'adaptation à Bordeaux a été si facile, si limpide pour toi? Vous savez, pour un buteur, quand tu marques deux buts, c'est toujours plus facile l'adaptation à n'importe quel endroit. C'est vrai que je m'adaptais bien au football français à Bordeaux. Autour de moi, c'était des gens
magnifique de joueurs, de coachs, de staff, de club. Mais après, bien sûr, quand tu arrives en club, que tu marques trois buts, c'est tout de suite une confiance énorme pour la suite. C'est vrai qu'après, c'est nécessaire de continuer. Le football, c'est toute la semaine, tu devrais montrer ta qualité de joueur, de buteur, en mon cas. Et c'est vrai que le but, c'était très important. Sur ton passage aux Girondins, vous terminez deux fois devant le Paris Saint-Germain au classement de la Ligue 1. Qu'est-ce qui fait que tu ressens l'envie de partir des Girondins de Bordeaux? J'arrivais à Bordeaux, j'avais 27 ans, j'arrivais à un grand club français, c'est Bordeaux. Et après 3 ans que j'ai resté au club, j'ai vécu plein de belles choses. Et le club et moi, on a décidé c'est le moment de partir. J'avais envie aussi de retrouver un grand club comme Paris Saint-Germain. C'était toujours un club énorme. Je me répète ça à chaque fois. Paris est toujours énorme. Et j'avais envie de jouer dans cette club, dans cette stade, que c'est magnifique. Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités que le Paris Saint-Germain au moment où tu décides de quitter Bordeaux ou pas? Oui, j'ai eu toujours de possibilités à partir en Angleterre, de partir même en France, à Lyon à l'époque, même Marseille. Mais j'avais envie de retrouver Paris Saint-Germain. L'adaptation au Paris Saint-Germain, c'était différent de ce que tu as pu connaître à Bordeaux. Il y a notamment, je crois que tu restes 5 matchs avec un seul but marqué. Après, tu as 23 buts, donc la saison se passe bien. Mais est-ce que l'adaptation, elle a été aussi facile au Paris Saint-Germain qu'à Bordeaux? C'était différent. Comme je disais, quand tu arrives en club, tu marques 3 buts, c'est toujours plus facile. Mais quand j'arrive à Paris Saint-Germain, j'ai pas besoin de marquer tout de suite pour que les gens me connaissent que je suis un vrai buteur, C'est un vrai. joueur de l'équipe. Et là, c'était différent. Là, j'étais pas inquiète, mais bien sûr, j'avais envie de marquer le plus vite possible. Je savais que ça va arriver. Je connaissais bien le football français, le joueur de Paris Saint-Germain, il me connaissait bien. Et la confiance, c'était totalement différent quand j'arrivais à Bordeaux, quand j'arrivais à Paris Saint-Germain. C'était deux choses différentes. Après, tu arrives dans une ville totalement différente, dans un club totalement différent aussi. Comme je disais avant, c'était toujours un club énorme, un club que vous voulez gagner toujours, qu'un club, le club plus grand de France, et c'est différent. Il y a eu la première saison qui était incroyable avec Vahid, où vous terminez deuxième. Est-ce que tu te souviens de ce qui a fait la différence? Est-ce que tu te souviens pourquoi ce Paris Saint-Germain-là était si fort, alors que les années d'après, ça a été un peu plus compliqué? Mais qu'est-ce qui fait que vous avez été si fort pour cette première saison avec le PSG? Il y avait une très belle équipe avec de très belles joueurs. C'était dommage que l'année d'après, ils ont parti. Et ça fait la différence quand tu as des joueurs de grande mentalité, de grande qualité de jeu, d'équipe. C'était dommage. Je me rappelle de Enzo, je me rappelle de Sorin, je me rappelle de Fred, de Fiorès. C'était 4 joueurs importants pour nous la première année que j'arrive. Et c'était 4 joueurs qui partent dans un club. Ça c'est pas normal. Et bon, on a recommencé avec 2 joueurs. Lequel de ces joueurs t'a le plus marqué dans ta première saison? Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné sur le terrain plus que les autres? Tous les joueurs étaient importants pour faire une saison, pour rester deuxième, pour gagner la Coupe de France. Deuxième derrière Lyon, que c'était un peu que ça se passe aujourd'hui avec Paris Saint-Germain, avec la qualité d'équipe qui a aujourd'hui Paris Saint-Germain. À l'époque, c'était Lyon. Il y avait une équipe très très forte, une équipe qui a gagné 7 titres au championnat de France et que c'était tellement difficile de battre cette équipe. Terminer deuxième, c'était une saison. C'était dommage que le club était toujours instable et toujours ils ont fait des changements à chaque année d'entraîneur, de président, de joueur. Mais des joueurs, j'ai parlé des 7 4 joueurs qui étaient des joueurs importants. Je me rappelle, par exemple, Fiorez, cette année, il a fait 17 passes de but, je crois, pour moi. Ça veut dire quelque chose, non? Tu m'as dit que c'était une ville différente, c'était une adaptation, un club différent. Le Paris Saint-Germain est connu pour son instabilité, tu l'as dit. Est-ce que tu as eu du mal, toi, à t'adapter à ça? Est-ce que ça a mis du temps? Parce que ta personnalité, elle est complètement différente de ce qu'on peut voir du PSG. Toi, tu as l'air d'être quelqu'un de très posé, de très calme, très serein. Alors qu'au contraire, au PSG, ça bouge beaucoup.
Est-ce que ça a été facile pour ta personnalité de s'adapter à ce nouvel environnement-là? C'est facile quand tu as envie de jouer dans un club comme Paris Saint-Germain, en plus avec des supporters qui étaient magnifiques, des supporters qui étaient toujours derrière moi. Et chaque année, tu penses que c'est cette année que ça va améliorer, ça va être plus tranquille. C'est vrai que nous avons eu des saisons, de bonnes saisons. C'est vrai que nous avons eu des saisons qui étaient pas bonnes, que nous avons eu beaucoup de changements. Mais ça, c'était le Paris Saint-Germain à l'époque. Mais après, quand je me trouvais sur le terrain, je me disais, c'est un plaisir énorme d'avoir cette maillot, d'être capitaine de cette grand club et de marquer des buts pour le club. Sur tes saisons au PSG, il y a la saison 2004-2005, le club finit 9e, mais toi tu surperformes, tu mets 19 buts, pardon. En 2005-2006, tu mets 28 buts, le club finit encore 9e. Est-ce qu'à un moment dans ton aventure au PSG, tu t'es demandé s'il était temps de partir quand tu comparais tes performances et celles du club? Non, j'avais envie de rester dans cette club que je croyais que cette club un jour il va changer. Je croyais toujours et ça a changé un peu plus tard, beaucoup plus tard. Mais tu sais, quand tu portes cette maillot, c'est difficile de vous le quitter. Ça se passe le même aujourd'hui quand tu regardes tous les joueurs qui arrivent à Paris, ils veulent pas partir. C'était dommage que j'arrivais à Paris trop tard. J'arrivais avec 30 ans. Si j'arrive avant, peut-être ça serait différent. Mais c'est vrai que nous a manqué un peu de tranquillité pour faire un travail différent. Dans une interview par le passé à SoFoot, tu expliquais que marquer un but à Paris, c'était comme marquer 3 buts à Bordeaux. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est un club énorme. Ça veut dire que à chaque semaine, à chaque jour, à chaque entraînement, tu avais 20, 30 journalistes devant le camp des loges. J'avais 100, 200, 300 personnes pour regarder l'entraînement. La pression, c'était différent. C'est le Paris Saint-Germain, c'est la capitale, c'est des supporters qui sont fous pour le club, qui sont toujours derrière l'équipe. Ils marquaient un but, c'est vrai que ça donne une énorme projection pour n'importe quel joueur. Et moi, j'ai eu cette opportunité, j'ai senti cette opportunité quand j'étais à Bordeaux et quand j'étais à Paris. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans deux grands clubs français, de deux grands clubs différents, mais des grands clubs, de clubs qui m'ont donné beaucoup. T'as aussi donné beaucoup au Paris Saint-Germain. T'as donné beaucoup, beaucoup. T'as donné beaucoup de buts. T'as donné aussi beaucoup de ta personne. T'es devenu capitaine de cette équipe. En termes de performance, c'était assez évident qu'on te donne le brassard. T'étais chaque année le meilleur joueur du club. En termes de personnalité, t'étais loin de la caricature qu'on faisait du rôle de capitaine. Souvent, on voit les capitaines hurler, crier, haranguer tout au long. Toi, tu pouvais faire ça, mais tu étais plus discret. Est-ce que c'était compliqué ou pas? Déjà, la deuxième année, j'étais pas capitaine à cause de ça. Vaïd, il voulait que je fasse tout ça que tu viens de dire. J'ai dit non, c'est pas ma personnalité, c'est pas ça. Ma façon d'être dans un groupe, dans une équipe, c'est pas ça. C'est donner l'exemple. Et moi, j'ai donné l'exemple. L'exemple, c'est quoi? C'est à l'entraînement, à l'hôtel, dans le match, dans la concentration, avec mon équipe, avec mon coéquipier. La façon de parler, l'éducation, l'arrivée à l'heure. Et ça, pour moi, il a deux façons d'être leader. C'est une, comme j'étais, comme je pense que j'ai fait bien mon travail, mon boulot. Il y a une autre que tu cries partout, tu fais ton spectacle. Mais bon, c'était un choix. La première année, je me rappelle, la deuxième année, après que Fred a parti, Vahid, il voulait un capitaine un peu comme ça. C'était pas mon style. Je dis, c'est pas mon style. Je vais pas faire une chose que je sais pas faire. J'ai eu Jérôme Rothen dans l'émission qui me parlait du projet du Paris Saint-Germain, un peu comme toi, en me disant que c'était son club de cœur, mais qui manquait de stabilité, que les meilleurs joueurs étaient partis à un moment et que derrière le recrutement n'était pas au niveau des ambitions du club. Tu as ressenti ça aussi, que parfois, entre l'ambition et les actes, il y avait un gap, un fossé qu'il fallait combler? Il y avait beaucoup d'instabilité à l'époque. J'ai connu 4-5 présidents, j'ai connu 5-6 coachs, et ça veut dire quelque chose. Quand tu laisses partir des joueurs, comme j'avais parlé au début, ça veut dire tout, non? Quand tu viens de terminer deuxième, quand tu gagnes la Coupe de France, la deuxième année, c'est une année pour être
plus proche de Lyon si tu maintenais le même joueur et si tu fais arriver des joueurs de bon niveau. Mais après, il y a eu le changement de présidente, après, il y a eu le changement de Vahid, et bon, ça recommençait toujours à zéro. Les meilleurs joueurs du championnat, on les veut dans les meilleures équipes du championnat. La meilleure équipe du championnat, tu l'as dit tout à l'heure, c'était Lyon. Il y a eu cet épisode où Lyon a vraiment voulu te recruter en 2006. Je me souviens encore, je tremblais de peur que tu partes du Parc des Princes et du Paris Saint-Germain. Et pourtant, de toi, on n'a jamais senti une envie de partir. Est-ce que tu peux m'en dire davantage sur cet épisode-là? Est-ce que tu as eu envie de partir? Est-ce que tu as hésité à ce moment-là? Ou est-ce qu'au contraire, Lyon n'a jamais été une option? Simplement, j'ai parlé avec le club qui avait cette possibilité, que j'avais pas envie de partir. J'avais 2 ans j'ai signé 3 ans de contrat quand j'arrivais. C'est une question de faire la prolongation de mon contrat. Et bon, et je me rappelle qu'à l'époque, le président, maintenant je ne me rappelle pas le nom, qui vient d'arriver, m'a dit, Pedro, c'est pas possible que tu partes au moment que j'arrive. J'ai dit non, mais je ne vais pas partir. Ça dépend de vous. Et bon, il m'est arrivé un accord et j'ai resté à Paris Saint-Germain. D'accord, ok. Donc du coup, tu n'as jamais eu la vraie envie, toi, de quitter le Paris Saint-Germain, même à ce moment-là. Jamais aucune personne ne peut dire que j'ai parlé au club que je voulais partir. Et ben ça, c'est une très bonne chose. Il y a Alexander Frey qui disait de toi que les recruteurs étaient aveugles. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle d'Alexander Frey, mais c'était un énorme buteur qui a longtemps fait compétition avec toi en haut des classements des buteurs en France, à Rennes, Oui, j'avais incroyable. un rôle, ouais, bien sûr. Il disait de toi, je comprends pas qu'un tel joueur comme Pedro ne joue pas à Manchester United ou Barcelone. Est-ce que les recruteurs sont aveugles? Est-ce que tu as une partie de la réponse à cette question? Le football aussi, c'est nécessaire. Un peu de chance, ça dépend beaucoup des agents, ça dépend beaucoup de pays que tu joues. C'est vrai que si tu me disais, oh, tu avais envie d'aller jouer dans un grand club. Espagnol, anglais, bien sûr. En Espagne, j'ai eu la chance de jouer dans une grande équipe comme la Corogne, mais terminé champion, on a gagné la Supercoupe, d'avoir cette opportunité, tu sais, pour gagner un titre en Espagne, si tu ne joues pas à Barcelone ou à Madrid, c'est tellement difficile. J'ai eu cette chance avec la Corogne. Et après, j'étais, comme je dis, j'arrivais dans deux grands clubs français, un club comme Bordeaux, avec une histoire magnifique, et après avec un club assez jeune, comme Paris Saint-Germain, mais un club énorme. Je savais que c'était un club différent de tous les autres, c'était un club difficile, mais c'est un club qui donne un plaisir énorme pour quelques joueurs qui jouaient dans ce club avec cette maillot. Il y a eu du plaisir, c'est vrai. Il y a eu des saisons compliquées. Et tu es, comme on l'a dit, tu es toujours resté. Il y a cette fameuse saison où il y a le match de la fin face à Sochaux pour éviter la descente. Chantôme m'en parle comme une saison marquante. Et elle a été marquante notamment par rapport à ta relation avec Paul Le Guen. Parce que tu l'as dit, on vous avait prolongé. Enfin, tu as prolongé ton aventure au PSG. Mais on a senti qu'avec Paul Le Guen, les choses étaient un peu compliquées. Où tu connais beaucoup plus le banc jusqu'à la défaite contre Marseille au mois de février. Est-ce que ça a été la carrière la plus dure pour toi au PSG? Ouais, c'était l'année plus difficile, les dernières 6 mois, bien sûr. C'était l'année que j'ai décidé de terminer ma carrière. C'était l'année plus difficile pour le club. C'était l'année que le coach et son adjoint ils pensaient que c'était mieux que je joue pas tout le temps. Et bon, c'était une année difficile. Mais j'avais deux choses dans ma tête. Une, que Paris reste en Ligue 1. Ça, c'était pour moi le plus important. Et la deuxième chose, c'est continuer à démontrer pendant ces 6 mois mon caractère, la façon que j'ai travaillé pendant les 5 ans que j'étais à Paris Saint-Germain, respecter le joueur de mon équipe quand je vais à ma place, les aider. Et ça, j'ai arrivé à faire. Avec des moments que c'était difficile, mais j'étais là présente pour aider l'équipe. Et ça, pour moi, c'était le plus important. Vous savez, aucun joueur, il n'aime pas être sur le banc. Moi, bien sûr, à cette époque-là, je me sentais bien. Je sentais que je pouvais faire la différence. Et c'était le cas, à 4-5 matchs de la fin. Mais bon, mais après, c'est nécessaire de respecter la décision d'un coach. D'accord.
Mais il n'y a jamais eu de clash avec Paul Le Guen, tu as toujours respecté ses décisions et même si tu étais frustré, il n'y a jamais eu de dispute avec lui, ça s'est toujours bien passé? Non, jamais, jamais. Tu sais, Paul Le Guen, c'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un que parle pas trop. Ouais. Pour lui, c'est toujours tout va bien. Pour moi aussi, c'est pas passé aucun problème. C'est une question. D'accord. Lui, il était l'entraîneur, j'étais le joueur, j'ai respecté. Je l'ai dit en face que je suis pas d'accord avec lui. Devant le groupe, j'étais toujours avec D'accord. le groupe. D'accord. Il y a Clément Chantôme qui me parlait du fait que pour ton dernier match au Parc des Princes, sur cette même saison, une fête était prévue pour te dire adieu, pour que tu fasses tes adieux au Parc des Princes et aux supporters. Et que finalement, elle a été écourtée cette fête parce qu'il restait ce dernier match très compliqué à jouer face à Sochaux. Est-ce que c'est un souvenir douloureux de savoir que tu n'as pas pu célébrer ton dernier match comme il le fallait, comme il se devait avec le Paris Saint-Germain à cause de ce contexte-là? Non, mais là, le plus important, c'est le club. Quand tu joues le maintenir, pour te maintenir en Ligue 1, tu as deux matchs à la fin. J'ai joué le avant-dernier match contre Saint-Étienne au Parc. Les gens, ils font une fête énorme. C'était le jour peut-être plus difficile de ma vie de jouer. J'avais envie de faire tout dans cette match, de gagner le match, de marquer, de fêter avec le supporter. C'était décidément très difficile à gérer avec le public, le stade avec le drapeau de Portugal, le drapeau des Açores, les supporters ont crié mon nom tout le temps. C'était un match très difficile pour moi, très mouvant. Mais dans ma tête, la une chose que je voulais, c'est gagner, c'est ne pas perdre de points dans cette match. Ce n'était pas le cas. On a fait match nul, après on était obligé de gagner à Sochaux. Ton meilleur souvenir avec le Paris Saint-Germain, ton plus beau but, on va parler du but déjà, ton plus beau but avec le PSG, pour toi, c'est lequel? Je pense à la reprise de volée. Il y a la reprise de volée contre Nantes, il y a le lob contre Fabien Barthez, qui est une légende. Lequel c'était? Ouais, le lob contre Fabien, c'était un lob que tout le monde parle même aujourd'hui. Quand certaines personnes parlent de Paris Saint-Germain et moi, ils parlent de cette but. Cette but, c'est vrai que c'était un but magnifique en face d'un gardien top niveau, de meilleur qui existait au monde à cette époque-là. Contre Marseille, la grande rivalité, toujours de matchs. Un classique très, très, très important du championnat de France, le plus important. Mais je garde toujours le 4 titres que j'ai gagné avec Paris Saint-Germain, le coupe que j'ai gagné, c'est des matchs que j'ai fait la différence en certaines finales. Ça, c'est le plus important, c'est que le club il gagne, c'est que le club gagne des titres. Et pour moi, je garde cette match. C'est vrai que cette but à Nantes, c'est un but magnifique, c'est un but très difficile à Très marquer. Les gens ne difficile, parlent pas trop. C'était une demi-finale. Je me rappelle que cette année, j'ai marqué tout le match de la Coupe de France oui. jusqu'à la finale. J'ai eu de moments, de très bons moments avec cette maillot. Je vais te parler d'un autre maillot, celui de la sélection. Il y a plusieurs étapes qui me choquent, moi, dans le fait que tu n'aies pas emporté de titre majeur avec cette équipe-là. Et notamment en 2002, avec une équipe incroyable. Il y a aussi 2006, il y a aussi les années 2000, le fameux demi-finale contre la France. 2004, la finale. 2006, les demi, encore une fois. Pourquoi ça n'a jamais marché avec les générations dorées que vous aviez? Pourquoi est-ce que ça n'a pas, il n'a pas eu ce qu'il fallait pour aller au bout? Nous a manqué peu chose. Déjà, nous, on a joué deux demi-finales contre la France. C'est déjà très difficile à l'équipe de France à l'époque. Mais bien sûr, au reste, c'est la finale 2004. Là, oui, là, nous a fait beaucoup de mal. Je crois que cette sélection, cette joueur, quand je jouais de 2000 à 2000, à 2006, il méritait gagner un titre avec la sélection. Mais le football, ce n'est pas pour qu'il mérite, c'est pour qu'il gagne. Il a eu l'opportunité à la maison de gagner cette trophée contre la Grèce, avec tout le respect que nous avons contre la Grèce, mais on avait une opportunité unique pour gagner un titre important pour nous, pour cette génération. Mais bon, on a fait une finale, deux demi-finales, ça veut dire que c'était une équipe qui était très costaud. Ton meilleur souvenir avec la sélection, c'était lequel? Le jour que. Il y a deux jours importants pour moi, que je garde ma première Coupe du Monde, que je marque 3 buts dans le deuxième match. C'était toujours quand tu marques des buts, c'était un rêve. Jouer une Coupe du Monde, il marquait des buts, il marquait 3 buts dans un match, c'était magnifique contre la Pologne.
Et après, bien sûr, le jour que j'ai battu le record de Zévio, quand je me tournais le meilleur buteur de l'histoire de Paris, de la sélection, c'était un jour que j'ai pas oublié. J'ai marqué 2 buts dans cette match, dans un stade de comme Porto qui était plein. C'était un moment unique pour moi. Vous imaginez un jeune, un jour, se te dire qu'il va battre le record de Zévio à l'époque, c'était pratiquement impossible. Et j'ai arrivé à faire ça. Pedro, merci beaucoup. Merci. Merci pour ton temps. Je te laisse filer. Merci beaucoup. C'était un rêve de gamin de te recevoir. Petite dédicace à PFUT qui t'adore, qui est fan de toi, un YouTuber aussi qui aime beaucoup ce que tu fais, tout ce que tu as réalisé au Paris Saint-Germain. Donc on lui fait la bise et toi on te souhaite plein de bonnes choses. J'espère te croiser du coup en septembre parce que normalement je serai là-bas aussi. Et puis bon courage pour la suite parce que je sais que tu as un calendrier qui est très rempli. Merci beaucoup Pedro. Merci, merci à toi. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao. À bientôt. Et voilà les amis, je vous l'avais dit, malheureusement c'était un peu court mais très intense avec Pedro Miguel Pauleta, une légende du Paris Saint-Germain qui nous a fait rêver pour beaucoup. La petite dédicace à PFUT qui, je sais, est fan de ce joueur. Les autres, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview, d'autres anecdotes dingues avec d'autres invités incroyables, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao!